crois qu'il va l'avoir son bac. Alors, l'instant parisien. Alors, le parisien, El Benjamin, El Parisien, il a 5 de moyenne générale. Bah oui, puis l'autre fois, il a rendu une copie blanche. Au bac d'espagnol, il a rendu copie blanche. Oh, bah là, elle est nulle. Au Elle bac, avait déjà hein, zéro au en bac. plus. Bref, on s'en fout. Ouais. voilà, laissons tomber. Bref, sinon, bonsoir. J'avais une question importante à vous poser, Madame Karine et Madame, j'allais dire Annick, ouais, mamie, hein. Mamie, alors déjà deux questions. Est-ce que premièrement, mamie, ton taxi fonctionne toujours? Oui. En fait, il y a le dernier épisode du taxi de mamie qui est sorti. C'était lundi, là. C'est le dernier, le 32. C'était le tout dernier. Après, il n'y en a plus. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, c'est Elle Parisienne qui prend le relais. Une série qui remplace une autre. Ce sera tous les lundis à 16h. Si vous voulez voir un Parisien sauvage faire le con avec moi, c'est cadeau. Bref, du coup, aujourd'hui, à l'heure où je parle actuellement, qu'est-ce qui est sorti tout à l'heure à 18h? Le badminton. Est-ce que mamie déjà, et Karine aussi, hein, est-ce que vous vous souvenez de The Pétanque? Ouais. The Pétanque, il y a eu 3 épisodes, on espère qu'il y en a d'autres, qu'il y en aura d'autres, parce que c'était complètement con, et c'est pour ça c'est marrant. Là, tout à l'heure, il est sorti The Badminton. Bah, de ce que j'ai compris, vous l'avez vu, parce que vous avez mis des commentaires. Ouais, Hein, qu'est-ce qui passe? Attends, mamie, elle me cause en même temps. vous avez mis des commentaires, j'ai vu. Oui. Donc je dois en conclure que vous l'avez vu. Bah oui, on l'a regardé. Ah oui. Alors Karine, te voir toi-même en train de jouer au badminton, c'est bien, bonne expérience. Tranquille. C'est une catastrophe. Vincent. Cette catastrophe. Vincent. Oui. Vincent. Je m'en vais manger pendant que c'est chaud, tu me rappelles après. Est-ce que tu peux dire, alors est-ce que tu peux dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire dire à mamie aujourd'hui? Est-ce que tu peux, alors donne-nous ton avis sur les Parisiens de type Benjamin, tu vois. Que dire sur lui? Si tu, Vincent. alors, si, si tu devais, si tu devais lui transmettre un message avant de partir, imagine, comme ça je le retransmets parce que ma grand-mère, tu sais, Benjamin, il t'a déjà vu dans les vidéos, du coup, si t'avais un message à transmettre à Benjamin, aux Parisiens, ça serait quoi? Ah ben, c'est pas trop fatigué, hein. C'est pas trop fatigué, hein. En principe, là, Non. il va se marrer, hein, n'est-ce pas? Fantastique. Bon, moi, je Voilà. dirais qu'il est un peu cucu. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Bah, il est un peu parisien, hein. Cliché sur les Parisiens. Il n'y a pas mieux que lui. Bon, Je m'en vais bah. manger, Vincent. Si tu veux, tu rappelles après. Ouais, eh bien, allez manger. Hein. Allez manger, allez vous nourrir. Moi, j'ai déjà mangé, perso. Est-ce que ça va être froid? Je fais des bisous. Eh bien, je te fais des bisous aussi. Donc, on se rappellera plus tard. Voilà. D'accord? Ouais. 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 Je te vois en grand écran là en fait. Voilà, là ta tête a fait la taille. Elle est 3 fois plus grosse que la normale. Oui, Regardez. la bouche Allez, ronde. regarde. Là, Oui, ça va oui. faire une répétition d'image, mais je m'en fous parce que c'est marrant. Regarde. Oui, c'est ta tête. Oui, je la Ah, vois, je la vois. caméra fait n'importe quoi. Attention, bruit dégueulasse dans le micro. Au revoir. Bon allez, sinon ça va, tranquille. T'as repassé à tes autres lunettes encore? Eh, c'est con, je me suis dit, tiens, on va pouvoir regarder ensemble. Eh, non, je faisais autre chose, j'ai pas eu le temps. C'est con. Bah du coup, alors, ça a quand même duré une Ah ben demi-heure moi, cette connerie-là. à 18h pétante, on a lu le Ting-ting, la notification. ting-ting. Parce qu'évidemment, Oui, on a regardé. vous êtes abonné, vous avez activé la cloche. Voilà, allez, super. Bon exemple. Et Voilà, du bon, coup, faut le bluffer, hein. voilà. T'as regardé, t'as vraiment gaspillé une demi-heure de ta vie à regarder ça. Ah, c'est Ouais, merveilleux. avec mamie, on a regardé pendant une demi-heure. Ouais, j'ai vu. En plus, il y a un commentaire des deux en plus. Regardez, waouh, fantastique. The Badminton. À refaire, c'était cool. Ah, ben, je suis sûr. Il y aura un The Badminton 2 du coup. mamie qui se marre, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Allez, voilà, Valou. Alors, un petit extrait que je mate, bien sûr. Le karma, hein. À la fin, le karma, quand je me suis cassé la gueule, pour montage ou montage qui pue? Moi, je trouve que c'était bien. Bah ouais, c'était bien. T'as vu quand il y a écrit karma avec Watt qui était barré? Le karma. Je remate, je tape, je tape, je parle du Nutella, je sais pas pourquoi. Arr, casse la gueule. La petite apparition de mamie en haut. Ah, ça c'était au début de la vidéo, ouais, le. Ouais, le très furtif, Mamie, regarde, du cassé Argued. Ah, quoi? hein. Est-ce que t'as vu le petit extrait? Parce qu'il y a des moments où je mets les textes, il reste qu'une demi-seconde. Est-ce que t'as vu le petit texte qui dit: je passe ma vie à me rhabiller?
Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'était au début de la vidéo, au début, je sais Oui, plus. mais ça passe trop vite. Ça passe trop vite. En gros, à un moment, j'ai zoomé sur toi pendant que tu étais en train de te rhabiller et puis j'ai écrit ça. Oui, bah, oh, la dégaine. Ah, c'est ce moment-là que Je suis j'attendais. en train de remonter le pantalon. Ah, je crois que c'est ce moment-là. Ouais. Oh putain. Le gros ton qui remonte le pantalon. Le gros ton qui remonte. Ah, c'est quand là, quand je perce la raquette. Là, je perce la raquette. Eh, je disais à maman, parce que j'ai encore tout à l'heure, je disais. Alors, si tu veux, maman, je t'explique. La raquette, j'ai frappé. Et le volant, il s'est pas arrêté, il a continué. C'est bizarre. Il y a un problème. Voilà. C'est le volant le plus fantastique. Tiens, je passe ma vie à me rhabiller. Ah, ça c'était vrai. Ah, c'était au Le début de la volant le vidéo. plus fantastique et la raquette la plus Regarde. pourrie au monde. Regarde, je passe ma vie à me rhabiller. Alors attends, je te montre. Je sais pas si tu vas le voir, mais j'ai écrit que je passe ma vie à me rhabiller. Ah, fantastique. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Voyons. Je vous le demande, messieurs, dames. Sais pas, mais on peut pas faire pire, hein. Si, on peut largement faire pire. Regarde ce pétanque, tu verras, c'était assez cringe. Bref, quoique, non. Va voir El Parisien 1. Là, c'est cringe. Bref, du coup, voilà, il y a El Parisien 4 qui est sorti. Le 5 à partir de l'année prochaine. Ah, c'est con, hein. Le taxi de mamie, c'est fini. Enfin, c'est fini, pour Ah bah l'instant. oui. Je dis c'est fini pour l'instant. Mais si un jour on refait des conneries. J'aime bien, des fois, mamie, elle me disait, je te jure, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas une blague, je vous jure, messieurs, dames, attention, révélation. Une fois, j'ai oublié de sortir un épisode qu'on allait filmer avec mamie. Et elle est venue me voir, elle m'a sorti. Bah alors, tu l'as pas sorti celui-là? Elle m'a vraiment sorti ça. Ça y manque. Ah, ça lui manque. Elle est 32. Ah, c'est trop. Les gens, ils en ont marre. Voilà. On s'en fout parce que c'est drôle. Par contre, à partir de l'épisode 8 jusqu'au 32, tout ça, c'est dans la sortie en 2022. On est d'accord. Donc, déjà, ça. C'est ça par rapport à toutes les vidéos hein, de ma chaîne qui sortent en une année. Je laisse imaginer comment je vais encore me casser le cul pour faire le. Quand on sera en 2023, genre vers février 2023, quand je vais commencer à faire le best-of de l'année précédente 2022, je laisse imaginer quand je galérerai. D'ailleurs, juste pour le lol, on n'a toujours pas regardé le best-of 2021. Ouais, c'est vrai. On en remet, hein. Il sera peut-être temps. Et il est sorti en février, je crois déjà. Je me suis pris déjà plus tôt. En 2021, quand j'ai fait le best-of de 2020, je crois qu'il est sorti en avril, si j'ai pas de conneries. Et il était plus court. Déjà. Parce que 2020, c'était un peu le début des. Ben là, il fait combien là? Voilà. De quoi? De quoi il fait Il fait combien? combien là le best-of? J'ai Il pas. dure combien de temps le best-of? De 2021? Je crois qu'il dure. Ouais. Alors je sais plus, mais il me semble que ça doit faire environ 1 heure. Facile. Ah ouais, quand même. 1 heure, Ouais. sachant que c'est des petits extraits de vidéos. Hein. Alors, je te laisse imaginer si imagine si je prenais toutes les vidéos, chaque vidéo entière, et que je les mettais l'une après l'autre pour faire un best-of. La vidéo durerait genre 300 heures. Facile. Donc, sachant qu'en 2021, j'ai fait plus de 250 ou 300 vidéos, je sais plus. J'ai oublié. Mais là, déjà, là, on est en mai 2022. Je crois qu'on s'approche déjà du quota que j'ai fait en 2021. Il faudrait que j'aille voir les playlists. Attendez. Je vais voir les playlists. Parce que j'ai. En fait, si tu veux, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je l'enregistre dans une playlist, dans une liste. Une liste qui s'appelle 2022, justement. Ah. Et puis ça donne le Voilà. nombre d'heures. Ouais, j'ai le nombre de. Non, ça me donne le nombre de vidéos qu'il y a dedans. 2022, jusqu'à présent, j'ai fait 129 vidéos. Comptant celle d'aujourd'hui, bien sûr. Absolument tout est compté, hein. Oui. Tout est compté, sauf les shorts. Les shorts, c'est les vidéos super courtes d'une minute quand je fais ma verticale. Ça compte pas dans le classement, ça. Sinon, ça doublerait. Non, non, non. Non, ça rajouterait genre 10, enfin, bref. 2022, on est à 129 vidéos. Déjà, putain. Et ensuite, alors 2021, que je le retrouve. Alors, vu les représentations de l'air, on est déjà à 50, c'est quel. Le taxi de mamie, 32, hein, ça on savait, il y a 32 épisodes. Alors, là, on part dans les playlists privées, les gens, ils connaissent pas. 2021, 244 vidéos. On est déjà, genre, on a déjà dépassé la moitié en 5 mois. Alors que le 2021, c'était en 12 mois. Alors, je laisse imaginer, fin décembre, quand je vais regarder le nombre de vidéos, ça va être écrit genre une connerie 600. Je vais me dire, putain. Alors, sur la chaîne, au total sur la chaîne, j'ai regardé, depuis 2016, depuis le début, j'ai fait genre 650 vidéos.
Sachant qu'il y a un an, c'était divisé par deux. Parce qu'on voit à quel moment ça a fait. Bref. Voilà. Et du coup, bah, il n'y a pas de playlist The Badminton, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'un seul épisode. Mais je crois que j'ai pas non plus fait The Pétanque. Alors, il va falloir régler ce problème. Après, The Pétanque, c'est un peu un troll, l'épisode 3, puisque dans le fond, le 3, c'est un mélange troll 1 et le 2, mais amélioré. Donc, voilà. C'est un scandale. Attends. Juste. Ouais, mais il y aura une suite à The Pétanque. Ah, on l'attend tous. Ça va faire 2 ans là, que la série a commencé, il y a 3 épisodes. Voilà. Donc là, je viens de créer une playlist The Pétanque. Et on va mettre les 3 épisodes. Il y aura une The Pétanque et une The Badminton. Ouais, ça va être génial encore ça. Il y aura une The Pétanque et une The Badminton. Ça va être marrant. Et après, évidemment, on n'oublie pas que. Question, devinette, attention, Karine va deviner. Deviner. En septembre, où vais-je? Ça, c'est une bonne question. Ben, je sais pas, vu que j'en sais rien. Parce que, exactement, c'est la bonne réponse. C'est vrai, ouais. Bon, en gros, nulle part, si tu veux. Pour faire simple. Ouais, parce que là où tu devais aller, de toute façon, ils prennent personne. C'est fermé. Enfin, ouais. Annulé, quoi. De toute façon, je voulais plus y aller de base. Donc, dans tous les cas. Donc, je pense pas faire des études, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt. Alors, Vinaim The Pétanque. Puis tu peux pas changer de branche? Faire autre chose? J'ai pas envie, le commerce, j'aime bien. Ah, bah, je croyais que t'aimais pas. Les études. Les études, je pense que j'en ai eu assez des études, je pense. Pour l'instant, enfin, tu vois, là, j'ai pas envie de refaire une année encore, tu vois. Oui, de toute façon, t'es pas en retard, t'as une année d'avance. Ouais, donc en plus. Ben, il va falloir que tu trouves du boulot. Eh ouais. Ouais, tu passes le permis déjà avant. Ouais, c'est bien ça. The Pétanque 2. Je veux l'épisode 2. Donne-moi l'épisode 2. Il veut pas me donner l'épisode 2. Salaud. Ouais, je dois traverser toute la liste là. Je fais beaucoup trop de vidéos. Moi, après, du coup, je suis obligé de scroller pendant une heure avant de retomber sur 2020 et les The Pétanque. J'y pense, en 2020, j'ai pas fait de stage en entreprise. Genre zéro. C'est le 2019 et le suivant, c'était en 2021. Voilà. Mais, bah oui, c'est... 2020, on est plus confiné. On est confiné. Et confini, accessoirement. Eh, dis-toi, là je scrolle déjà depuis genre une minute. On est en septembre 2021. Je vais encore scroller longtemps avant d'arriver à l'été 2020. Voilà. Tu peux pas filtrer? Non, ici non, je peux pas. Et là je suis sur la vidéo 4 ans sur YouTube. Ah, ça y est, je suis en 2020. Ouais. The Pétanque. Y a pas d'accent, c'est fait exprès. Alors ensuite le 3. Le 3, tu vois, j'hésite à lui laisser cette appellation. Parce que techniquement, le 3, ça mélange entre 1 et le 2. Du coup, c'est un peu de la triche. Mais si on disait qu'on s'en foutait, voilà, c'est un bon conseil. Et si on s'en battait la race, oui, mais oui, perfectionnisme. Alors du coup, voilà, ceux qui me disent ça, ils ont raison. Bref, du coup, la notification, on s'en fout. Donc là, tu vois, j'ai créé une playlist. Alors, je la montre avec la webcam. Magnifique. Hop là, voilà, attention. Ouais. Dieu. Évidemment, l'épisode 1, la miniature. Elle est grise, donc c'est simple. On voit mamie avec un sourire du style... bouille des canards. Voilà. Et il y a écrit « Votre Dieu » en énorme avec une flèche qui pointe vers elle. Et à côté, il y a une remorque. La remorque est dans la cour à ce moment-là. Il y a écrit « La caisse de Dieu ». Voilà, c'est sa bagnole. Et puis l'épisode 2, on a en gros Eva avec écrit Satan à côté, et on a Mamie qui fait encore son sourire chelou à côté. Et l'épisode 3, on a Mamie qui fait un sourire de psychopathe en plein milieu. Toi qui tiens un pistolet mitrailleur dans les mains, qui fait un peu Hello, what by, hein, voilà, comme dire l'autre. Je sais pas dire cette expression, et il faut pas le dire de toute façon. Le 3, il y a des cochons dedans. J'ai trouvé sur Facebook, j'avais envie de les mettre. Je sais pas pourquoi. Il y a moi qui est un peu hésitant en mode qu'est-ce que je fous ici, et puis il y a la tête de mon chien Nikki qui. Voilà. Alors, la définition de The Pétanque, comme j'ai pas trouvé, j'ai pris un truc random. La série à la fois
con et con. J'écris doigt à la place de foie. La série est à la fois con et con. Le premier con c'est avec un C, le deuxième c'est avec un K. En référence à Karine qui s'écrit avec un C et un K. Voilà. Donc c'est une série à la fois con et con. Voilà. Histoire 2, hein, parce que. Moi j'ai pas d'argument en fait. Voilà. À part ça, tranquille. Là, la zone, ça va tirer. Maman m'a sorti. Ils sont déjà rentrés, Karine et ma. Karine. Mamie et papy, tout ça. Bah ils sont rentrés du coup, c'est ce que je vois. Bah oui. Ouais, merveilleux. Bah ça a duré que 3 jours hein le truc là. Ah bah, donc du coup conclusion les séries de débiles qu'on fait sur la chaîne YouTube c'est quoi c'est quoi ah, donne-moi ton avis quoi. Attends quoi je vais faire une phrase plus précise. Oui. Les séries débiles qu'on fait sur ma chaîne YouTube c'est de là. C'est de la bombe. C'est de la bombe, ouais, ça explose. Voilà, fantastique. Voilà, c'est tout.